Nouvelle vidéo aujourd'hui. Yo les copains, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Malheureusement c'est déjà la dernière épreuve du championnat. Si vous m'avez vu sur le terrain avec un appareil photo, avec un giga micro de la mort, c'est un ami qui me l'a passé. Parce que je pensais investir là-dedans et je voulais le tester pour savoir ce que ça donne. Donc il y a certains plans que j'ai filmé avec, donc soyez indulgents si voilà quoi, c'est pas tout à fait clair, mais bon, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. J'espère que ça vous plaira. Franchement, c'était une super finale avec plein de rebondissements. Donc, bonne vidéo, bon visionnage. Bisous les copains. La génitrice libère ses ovocytes. Oula, oula, il y a erreur sur le cliché là. Que le mâle les arrose. Mais c'est dégueulasse en plus. Ah, non plus. Ah, impeccable. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard. C'est vraiment un gros fight, quand même. Schemes of all kinds, filled with vitality, nothing could push me to the sidelines. Là en plus j'avance dans tout le monde ça. Bonjour, alors mon grand pilote, mon champion, je vous présente mon champion pour demain. Il va faire une très bonne place avec Bernard Cho pour la finale. Retenez bien ça. Allez, bonne soirée, bon amusement. Comment tu sors ta première mort? Oula, on verra bien. Là c'est du logis là. Il pleut sous le store. Il pleut sous le store ici. Il y a rien qui va. Rien qui va. Je te sens tendu. Un peu, après, non. Non, ça va. Tu vas y aller, tu prends lui. Ah, mais moi je ne crois qu'en lui. Oh, c'est beau. Ça va le faire. Eric, c'est le podium, il faut l'aider. On va voir Karine. C'est le podium, il faut l'aider. Alors ah, super préparation du terrain, de bonnes ornières, de quoi vraiment se faire plaisir. J'ai hâte d'être à la manche, derrière la grille, en découdre avec tous les copains des prestiges. Hein. Voilà, super, impeccable préparation. Maxime Quentin, comment t'as trouvé ce terrain incroyable? Pépite. C'est de la bombe. Hein. Ah ouais.
Alors là, les gars, c'est le drame ultime, les gars. J'étais bien placé à une 10ème place. Je trouvais que j'avais une bonne vitesse. Mais non. Dieu en a décidé autrement. Je loupe mon freinage. Et sur l'extérieur, Romain, bah c'est de ma faute, là, je l'ai dit, me tape. Et je m'en vais gentiment rejoindre le sol. Et en repartant, malheureusement pour moi, j'ai le guidon qui est un peu tendu. Du coup, pour finir, c'était un peu la galère, franchement, je dois vous l'avouer. Du coup, bah, au lieu de faire 10ème, bah, j'ai fait 19ème. Ouais. On garde le sourire, on est content, vive le motocross. Mais bon, on se rattrape en deuxième manche, vous inquiétez pas. La catégorie prestige, alors je me suis attardé sur cette manche les gars, car il n'y avait que 7 points d'écart entre les deux hommes en tête du championnat, Nicolas Lenière, qu'on voit ici à l'image, et Pierre Hérague. Ça promettait d'être très très chaud durant toute la manche. On comprend la rage de Nico à cet instant. Le coup de théâtre, le tournant du championnat. Malheureusement pour Nico, qui était placé à une seconde place et qui assurait les points, il va malheureusement pour lui taper la roue arrière d'un attardé, comme on vient de voir, et perdre. Bon, je vais vous dire, il perd malheureusement la tête du championnat. J'ai pas pu filmer la seconde manche car bon, la vidéo aurait duré quand même plus d'une heure si je m'amuse à ça. Mais le tournant du championnat, c'était maintenant. Malheureusement pour lui, un pilote qui fait très peu d'erreurs et qui va malheureusement taper ses trois arrière. Maintenant, à la finale. Alors là, c'est vraiment la malchance ultime pour lui. Mais bon, je l'ai vu après la manche, il gardait quand même le sourire. Et ça fait super plaisir.
Alors ça, c'est ce qui s'appelle finir en beauté. Eh, hey, mauvais perdant là. J'ai un peu célébré ma victoire trop tôt sur la ligne d'arrivée et je pense que je me suis un peu écarté, mais bon, Maël est arrivé comme une balle, il m'a cartonné. Il m'a totalement cartonné et du coup bah ça m'a envoyé sur le bas-côté, mais bon, ça c'était vraiment une manche mémorable. Je vous laisse l'extrait avec sa GoPro et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah, malheureusement, la chute n'a pas été sans gravité pour la machine. Bon mec, je te remercie. Hein. Le radiateur, il est out. Le radiateur était touché et j'espérais que la machine tienne encore juste une seule fois pour la finale. Mais bon, vous doutez bien que là, c'est le drame complet. Quoi ? Alors là, honnêtement, je pense que la journée pour moi, elle est terminée. La moto, j'ai le radiateur qui fuit, je pourrais pas prendre le départ. Donc je fonce prévenir mon père, je lui dis ouais, bon, c'est pas possible, je vais pas prendre le départ. Et là, la grande famille du motocross va me venir en aide. Il y a Dylan qui va me prêter son 250 KXF pour la finale. Je le remercie du fond du cœur de m'avoir prêté sa machine pour la finale. D'ailleurs, ça m'a permis de rouler en 4 temps pour la première fois, de me lancer dans une finale. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais je dois vous avouer un truc. Parce que, ouais les gars, en fait, que je vous explique. Dans la panique, je croyais que la GoPro n'était pas allumée, mais en fait, si elle tournait bien, parce que la preuve, j'ai le moment où j'arrive sur la grille de départ. Et en fait, bah, sur la grille de départ, bah, en fait, au lieu de continuer à filmer, en fait, j'ai rappuyé, en fait, bah, j'ai pas filmé la finale, quoi. J'ai coupé la GoPro. Quelle buse incroyable. Mais voilà quoi. Bon, bah, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Mais bon, en tout cas, c'était une bonne finale. J'ai pris du plaisir sur la KXS, c'est vrai. Donc peut-être l'année prochaine, un passage au 4 temps, on ne sait pas. On verra bien. Je finirai ce championnat à une 4ème place au classement général 125 et une 21ème place au classement général MX2. Et non les amis, la vidéo n'est pas toujours terminée. Je suis venu aussi assister à la finale des MX1. Tout au long du championnat, deux hommes se sont livrés bataille. Thomas Delay, pour voir ici le numéro 98, et Benjamin Debromé, le numéro 62. Deux pilotes qui roulent très très vite. Ça allait se décider maintenant sur cette dernière course à Gouy-en-Artois. Donc je voulais être là pour assister à ça. Car il pouvait y avoir comme en prestige des rebondissements. Car dans leur catégorie, il y a d'autres pilotes assez rapides comme Antoine Fourdu, David Marty et Gabardec. Et j'en passe. Ça promettait d'être mémorable. Oh, my God.
Malheureusement pour Benjamin qui avait réalisé l'all shot durant la finale, il fera malheureusement un point mort en bas du premier virage et se fera directement passer par les pilotes qui étaient juste derrière lui en repartant à la cinquième position. Mais une fois remonté derrière Thomas, il aura du mal à le passer dû aux attardés. Et donc Thomas Delay remportera le titre de champion UFOLEP de cette année 2021. Félicitations à lui. Et ça sera sur ces belles images que la vidéo se termine. Je tiens à remercier tous les pilotes lors du championnat qui sont venus me voir et me dire que je faisais du super boulot. Ça m'a motivé encore plus à continuer. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une journée avec tous les abonnés, les gars. Essayez de vous tenir au courant pour ça. Je mettrai ça sur mon Instagram. Faire une journée vraiment tous ensemble. On va privatiser un terrain et se faire quelque chose de vraiment sympa. En attendant, bonne continuation. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et franchement, ça me fait super plaisir. Bisous, les amis. Rémi, 3ème du championnat Open 2021. Satisfait de ta finale ? Satisfait. Aujourd'hui, la course, c'était compliqué quand même. Le terrain, il y avait quand même pas mal de niveaux. Le terrain était bien troué. Après, j'ai fait le principal, c'est de marquer des gros points pour être constant en général. Je fais 3ème général, fini Open. Donc, je suis content de moi quand même, de toute la saison. Ça marche. Moi, je te remercie. Bonne continuation. Merci. Est-ce que David, il t'a vendu du rêve aujourd'hui ? Tous les jours, tous les dimanches, il me vend du rêve, même tous t'as les jours de la semaine. Mec, c'est beau. Seulement le dimanche, j'ai entendu. Mec, c'est beau. Attention, hein. Bon, David, satisfait de la finale ? Ah, satisfait, oui et non. Hein. On aurait pu gagner, hein, mais elle est là dans le temps. Mais bon, passez vite, hein, c'est tout. Hein. Battu par la jeunesse. Bah, ouais, tout à fait, ouais. Heureusement, d'ailleurs. J'aurais été encore un vieux qui m'aurait battu. J'aurais dit, merde, que des vieux devant, quoi, tu vois, mais là... T'as un film un peu tapé, apparemment il rêve de passer sa roue devant moi, apparemment. Je sais pas, mais... Ouais, ça reste qu'un rêve, c'est certain, je pense, quoi. Ou alors c'est qu'il veut me faire plaisir. Voilà. Que penses-tu de ta fin de saison, toi ? Non, moi, très cette bien. Finale tu sais pas donc il finit combien exactement ? Logiquement 28 au général. C'est sympa. Super. Hein ? En précise. Et pris un Wami. Voilà. Une bonne ambiance, parfois. Ouais, on voit bien. Non, mais c'est pas, voilà. Mais honnêtement... Félicitations, donc aussi. Et honnêtement, je vais te dire quelque chose, je suis content parce que regarde là maintenant que tu me prenais plus de tours vraiment. Ah ouais. Au début il me prenait des tours au quatrième tour, je le voyais revenir. Maintenant, au deuxième tour de la fin, il me prend. C'est bien. Je suis content. Bonne progression. Je suis content. Mais honnêtement. Bonne saison 2021. Ah. Puis, avec une bonne ambiance. À l'année prochaine. Oh mais avec plaisir, puis j'espère d'être en haut. Quand c'est plus. Encore mieux qu'un ravitaillement au Touquet. T'es satisfait de ta finale aujourd'hui ? Ouais. 4. On est l'année prochaine ? Ouais. Ah bah ouais. C'est sûr. Hein. Mon ami Dupéro, 8ème au championnat. Très bien. Satisfait ? Satisfait de la place. Ouais, j'ai vu. Le top 10 était visé. Le top 10 est validé. Rien de mieux, rien. Le terrain était très beau, très beau, oui en Artois, très très beau, je pense. Mais non, très beau championnat, les objectifs sont atteints, voilà. On se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine, bien sûr. Surtout. Bien sûr. Bon Thomas, ouais. Première année en Open, sacré champion déjà, c'était très serré tout le long de l'année. Bon j'imagine que l'émotion est grande. Bah ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Les objectifs c'était pas ça, hein. Clairement pas ça en début d'année, on visait le top 5. Là, fin de saison, gagner le titre, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément, mais bon, ça fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur. Et on essaye de remettre ça l'année prochaine. Ah, super. Ouais. Félicitations. Merci à toi. Absolument. Bravo à tous. Hip hip hip. Bravo à tous. Hip hip hip. Bravo à vous les gars. Vas-y, mets-toi à genoux devant. Pip! J'entends. Pip, pip, pip! Les gars, suivez-moi.